God, on est en retard déjà. Coucou, bienvenue. Alors vite, il me faut un sac vide pour mettre les affaires dont j'ai besoin. My goodness. Vous voyez, même en s'y prenant à l'avance, j'arrive en retard. Allez. Le chauffeur est déjà en bas. Ok, coucou, donc voilà, on est à Publica. On vient de prendre un café au Starbucks. Et bah écoutez, je vais déposer les filles juste là, elles vont... Comment on dit rehearsal en français, c'est quoi? Ah, répétition. Voilà, bah répétition. Oui, il y a de jolies robes ici. Donc elles ont répétition puisqu'elles vont marcher pour la marque Three Little Ahmed. C'est une marque qui fait des vêtements pour les enfants. Et la particularité, c'est qu'ils ont des vêtements réversibles, vous voyez, deux faces. Donc c'est super pratique quand vous avez des enfants. Oh coucou, écoutez, j'en profite pour vous montrer vite fait. Donc là, ce sont les tenues des enfants. Donc les filles, elles vont porter... Alors, elles vont porter ces tenues ici. Donc vous voyez, c'est réversible. Donc Rania, elle aura ce côté-là. Enfin, Rania ou Maria, je ne sais pas laquelle. Et Mariam aura l'autre côté. Donc ça, c'est la collection de Raya. Vous voyez, un peu d'aspiration, on va dire. Ça va un peu... comment on appelle ça? Pas Gélaba, si, un peu Gélaba avec le petit bonnet accroché derrière. Et alors ça, c'est la collection de Gania. Donc moi, je vais être habillée par cette marque-ci, Gania, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. On va aller de l'autre côté. Je suis venue pour déposer les chaussures des filles. Et là, ils attendent les enfants pour les faire répéter. Il faut marcher doucement, les filles, voilà. Oh, Mariam, c'est par là-bas. Là-bas, Rania, Mariam, là-bas qu'il faut marcher. Maman va voir, vous souriez et vous ne trompez pas de route, hein, ok? Les petits chaperons rouges, on ne se trompe pas de route, hein. J'ai besoin d'un soupul blanc. Oui, on a terminé donc les répétitions. Elles ont terminé plutôt les répétitions. Et attendez, les filles, on va regarder. Il y a deux... Hello. Breastfeeding time. Tu fais un beau sourire? T'es trop mimi! Voilà, écoutez les filles, elles ont été maquillées, coiffées. Donc, ouais, normalement, je dois pas rester avec elles. Et il y a des personnes, mais sincèrement, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'en perdre une. Donc du coup, là, je préfère rester avec elle. Par contre, là, je vais demander à Ahmed qui reste avec elle. Et moi, je vais devoir aller m'habiller, me préparer aussi. Donc voilà. Allez les filles, on y va. Je vais les accompagner, sûrement les habiller. Et ensuite, je file la relève. Donc voilà, c'est Katrina. Thank you very much, Katrina.
Donc elle est designer et je vous montrerai plus tard les vêtements qu'elle fait. Thank you very much. And I say that I will show them your collection. She designed a very beautiful top, beautiful kaftan, mashallah. Yes. I really like your design. You'll see her wearing one. Inch'Allah. Ok les filles, écoutez, donc là je suis dans le stand de Duck. Hello. Hello. Donc je vais vous préparer un make-up look avec les produits de chez Duck. Donc là c'est le fond de teint. Je pense que la teinte numéro 4. Yeah, it's perfect. Yeah, I think for number 4 it's just perfect. Écoutez, je sais plus parler. J'ai un blanc là d'un coup. Yeah. Donc je vais prendre un peu de tout, palette, I will take lipstick, eyeshadow palette, foundation, everything, and I will create duck look, ok? Bon, on se retrouve, restez connectés sur Instagram et sur YouTube, de toute façon vous verrez la vidéo. Donc là je vais choisir un peu les teintes et je pense que je vais faire un unboxing, quelque chose comme ça. Bref, on reste connectés et je me dépêche parce qu'il y a tout le monde qui m'attend de l'autre côté. On a encore plein de trucs à faire ici à KL avant de rentrer, donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vais enlever les chaussures, je vais mettre des chaussures plates parce que franchement là j'en peux plus, moi, de mes godasses, elles me font trop mal. Et il va encore une fois pleuvoir, on dirait. Vous voyez le ciel, comment il est gris? Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Ok, voilà, on est rentré. Je vais tout ranger les affaires, j'ai tout balancé ici. Je vais tout ranger. Comme ça, ça sera fait. Et ça me libère du coup le matin. Oh là là, il fait pas bon là. Vous voyez les éclairs? Ça craint. Ok, voilà, on va se quitter chez Paul. On est chez Paul, on va manger et aller dormir. Donc demain, retour à Singapour, Inch'Allah. Écoutez, j'espère que cette journée avec nous... Excusez-moi. J'espère que cette journée avec nous vous aura plu. Et bah, écoutez, je vous laisse, je vais manger. Ouais, donc j'ai pris un hamburger. Ici Paul il est halal, à Singapour aussi. Ça c'est trop bon les filles, c'est de la menthe avec du citron. Et Ahmed t'as pris quoi? Tu me fais même pas goûter. C'est de la graisse. Merci. J'en ai déjà, pas besoin. Très bon steak, c'est trop. Si elle a une steak. Ouais, j'attends que tu m'en donnes un bout. Oui. Non c'est trop gros ça. Là je te coupe en deux. Ouais, ça sent le gras là s'il te plaît. Le cœur, je veux le cœur. Avec un peu de sauce là, s'il te plaît. C'est quoi, c'est une sauce au poivre? Ouais. Cherche non, ça champignon. Mmh. Oh, elle est trop bonne. Mmh. Délicieux. Voilà, allez, écoutez, je vous laisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Hello, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, hello.